Non, parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, les missions qu'on nous donnait, en fait, passer sur les rails, c'était pas une mission qui était à faire de base. Donc bon. Voilà. Mais bon, on va passer par ce côté du coup. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans cette vidéo de Ratchet & Clank aujourd'hui. Bonjour. Ils sont assez petits, ça rentre. Monsieur, qu'est-ce que vous me faites, ça rentre hein. Voyons. C'est pas la visio bombe que je voulais, c'était ça. Ah, si ce n'était qu'à moi, j'utiliserais le tilt d'un coup. Mais je me dis que c'est dommage de ne pas utiliser toutes les autres armes et d'utiliser juste le tilt, quoi. Ça serait dommage. Parce que bon, je pense que c'est une arme un peu trop abusée et c'est dommage. Dit-il. Alors moi à la base je voulais juste faire un petit saut hein, mais ok, d'accord. Est-ce qu'il faut que je tire sur le truc du coup? D'accord. Comment est-ce que je peux? Ah d'accord. Je vais devoir faire un très long saut. Est-ce que je peux faire mon... Voilà. J'avais très envie de récupérer les caisses. Alors que j'ai beaucoup d'argent déjà. Ça au moins le truc de la scie. Je me sens arnaqué là. Oula, oula. Alors, j'ai pas fait exprès de sortir le tilt, mais voilà. Je crois que je vais remettre l'autre parce que je pense qu'on en a plus besoin du. De celui à tête chercheuse, là. J'ai oublié le nom. Voilà, le vision. Je suis tellement dans la galère niveau vie. Ouais, là, ça va être un peu tendu, là. Je sais même pas ce que j'ai comme arme, là. Ah mais ils ont des points en fait. Ah mais je crois que c'est des robots de test. Ah bah yes. Je me suis fait avoir par un robot de test. Oh, en plus je réparais. Non. Oh. Qu'est-ce que... Ah d'accord. J'étais pris dans le mur. C'était pas... Pas très conviable tout ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup moins de... Ils rentrent toujours pas... Ils ne peuvent pas rentrer en moi. Cette arme ne fonctionne pas. J'ai pas racheté des munitions. Écoutez... je vais le faire à la main. Hein. C'est pas grave. Hein. Pas se sentir persécuté sur le moment. J'espère juste que ça va pas être une... On va les aspirer, écoutez. Ah, ils sont pas passés. On a le dévastateur, c'est cool. Mais je voulais pas utiliser celle-là. Alors, oui, c'était ce que je voulais éventuellement faire, mais... mais, voilà. Pas avec cette arme, je voulais utiliser le dévastateur.
tiens. Voilà. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. On va quand même ça, c'est un bon choix. Augmenter un peu ce qu'on avait, quoi, parce que un petit peu de compliqué là pour le coup. Ça, c'est un bon choix. Ça va, je vais pas tellement utiliser que ça le tilt. Non? Si, peut-être, je sais pas. Ah. Oups. Attendez, attendez. Il y a un passage par là. Est-ce que c'est un passage secret? Faut que j'arrête de jouer à Zelda, hein. Je trouve n'importe quoi, c'est un passage secret pour moi. Quoique, non, faut pas que j'arrête de jouer à Zelda. C'est très bien Zelda. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je peux voir l'endroit où je dois viser, au moins? Voilà, là c'est cool. Quoi? À quel moment? Pourquoi donc, monsieur? C'est bizarre. C'est une blague? Le temps d'attente est si court. C'est dommage. Ah. Irriguons les graines. Ah bah tiens. C'est pour faire comme ça, bah moi aussi j'agis de cette manière. C'est pas cool. Bah voilà. Il y a un petit monde ici. J'aurais peut-être dû les aspirer en fait. Maintenant c'est un peu tard. Hein. Y avait pas un truc par derrière? Ça. Ça a l'air plus de la déco qu'autre chose, j'ai l'impression. Allez, on va pas utiliser le tel non plus. On va essayer de les avoir. Mais non, c'était pas celle-là que je voulais. A chaque fois que je veux prendre le dévastateur, je prends le tilt à la place. Par contre, niveau vie. Voilà. Je suis quelqu'un de faible. Vous savez. Wow, wow, wow. Allez, on va prendre l'arme d'Elon Musk. Je suis sûr que Elon Musk était un fan de Ratchet & Clank, peut-être. J'ai totalement faux si ça se trouve. Hein. Je sais même pas quand elle a été créée la Tesla, si ça se trouve le nom est venu après ou avant, je sais pas. Ou soit Tesla, c'est un rapport avec l'électricité peut-être aussi. J'en sais rien du tout. J'ai la flemme de chercher dans les médias. Si ça se trouve, il y a un truc au-dessus. Non, ça va. Joueur de Zelda que je suis. Bonjour, monsieur. Pardon, monsieur. Hé, hey, mon lézard. Oh, oh, je me demandais, vous êtes pas inquiet à cause de cette invasion? Fiston, nous possédons les meilleures défenses qui existent. N'y pense même plus. Tu as déjà fait du hoverboard? Bah ouais, ça m'est déjà arrivé. Je recherche la future superstar qui va représenter ma dernière ligne de hoverboard. Quelqu'un qui en imposerait au gosse. Bah dans ce cas, je suis votre homme. Si tu bats mon robot testeur en course, la place est à toi. On va entrer dans la course. Il y avait un truc par terre. Je peux pas l'atteindre. On peut tirer pendant le...
pendant la course, mais c'est trop bien. Ça, ça l'est moins. C'est pas grave. Vous savez quoi, moi je vais quitter et je vais recommencer. C'est très chiant ça. Ah purée, mais c'était des caisses qu'il y avait en fait. Est-ce que c'est pas limite tuer les adversaires là ça? Je sais pas. C'est très dur ça. Ah purée. Peu tard pour utiliser ce raccourci. C'est dommage. Désolé si je parle pas tellement, c'est très difficile de se concentrer là-dessus. Je trouve. Oh purée. Vous savez quoi? On va utiliser la plus grosse. C'était impressionnant. Maintenant, tu dois juste dire quelques mots sur nos nouveaux overboards. Comment ça? Maintenant? Évidemment. Regarde bien vers la caméra et dis ce qui te passe par la tête. Ça tourne. Bonjour, monsieur et dame. Ici Ratchet pour les overboards Gadgetron. Si tu... Eh, mec, si tu veux le overboard le plus rapide de la galaxie, prends le XZ88 chez Gadgetron. Il est trop top cool. J'ai dû me tromper de gars. C'était très drôle. Hey, je me demandais, je vais avoir droit à des réductions sur les gadgets? Il faut avoir travaillé dans la boîte pendant 2 ans pour avoir droit à des réductions. En revanche, je peux te donner ça si tu veux. Attrape. Nice. L'Holo Déguiseur Gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients. À l'exception des robots. Équipe-t'en et appuie sur la touche cercle. Tu seras alors instantanément déguisé en robot sentinelle et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots sentinelles. Appuie de nouveau sur la touche cercle pour faire signe aux autres robots sentinelles qui désactiveront alors les champs de force pour toi. Attention,
Toute utilisation d'une arme lorsque tu es déguisé désactivera l'holo-déguiseur. Oh. D'accord. C'est cool. C'est très cool, je trouve. Non, c'est vrai, c'est super, c'est super. Du coup, on va pouvoir continuer, j'imagine. Mais je pense pas qu'on ait fini tout. On a tout fini ? C'est bizarre, ça. Est-ce qu'il y a une sortie plus rapide ? J'ai pas l'impression qu'on puisse sortir, en fait. Ah si, non, c'est pas là. Mais est-ce qu'on doit faire le chemin en sens inverse ? À moins qu'on nous laisse un vaisseau pour nous déplacer, pour y aller plus rapidement. Oh purée, envie de faire un petit suicide, là. C'était quoi ce yeah ? Petit suicide vite fait, bien fait, là. Mais bon. Non, c'est cool, c'est cool, on va pouvoir faire. Mais le problème, c'est que, ben, du coup, il y avait une... dans la zone où on était censé être... Mais attendez, on était venu comment ? Si je me suicide... Mais il y avait une porte à côté. Ah mais c'était de là d'où on vient. Ah bah d'accord, ça servait à rien en fait. C'est trop bien, au moins c'est dans le sens où on va que le tapis roulant avance. C'est pratique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes qui vont en même temps dessus à des je cherche la merde. Je pense. Mais en tout cas, Clank est officiellement un influenceur, j'imagine. Il fait des sponsorisations là comme ça. Tranquille. Bon, ben, je vous propose qu'en fait ce truc là on le fasse dans la prochaine vidéo. Alors sur ce, moi je vous invite à partager, commenter, vous abonner, aimer la vidéo. Les prochaines fois, ben, on ira se balader.